Salut tout le monde, c'est Yann Esther et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle série avec un jeu qui vient de sortir il y a environ, je dirais, une à deux semaines, qui est en alpha public, qui s'appelle Cube World, un jeu qui coûte pas cher, 15€. Et donc, cette série, je vais l'intituler, tiens, pourquoi pas, l'aventure d'un monde de cubes, ou plutôt l'aventurier du monde d'un monde de cubes. Voilà, tout simplement. Donc, Cube World, je vais vous montrer tout de suite, mais d'abord, on va d'abord créer un perso bien sympa. Donc, pour créer son perso, bon, on n'a pas trop énormément de choix entre race, genre, classe. On va voir ça, donc humain, elfe, nain, orc, gobelin, lézard, mort et homme grenouille. Pourquoi pas. Et donc, pour ce premier épisode, pour toute la série totalement, j'ai décidé de prendre la mort. Ah oui, la mort. Parce qu'il n'y a pas plus classe. Donc, genre, on va laisser mal. Maintenant, la classe. Alors, on a 4 classes. Le guerrier, le ranger, le mage et le voleur, sachant que chaque classe a son propre atout et inconvénient, ses propres armes et tout ceci. Et pour cet épisode, je vais prendre le voleur. Et donc pour le visage, je vais prendre... Alors visage, pour ceci, il n'y a pas grand chose, il y a juste les yeux qui changent. On va les mettre en rouge. Et pour les cheveux, pour cette race, donc la mort, il n'y a pas grand chose non plus. Donc on va prendre un punk de couleur bras, tant qu'à faire. Et je vais mettre, bien entendu, mon pseudo. Voilà. Et donc pour ce monde, bon, je vais supprimer celui-là, c'était un monde qui me servait de test en fait. Et donc pour ce monde, alors on doit obligatoirement mettre un seed, et malheureusement les lettres avec les seeds ça ne marche pas. Par exemple, je mets des lettres et je mets tac à la bac. Au pif, enfin non au pif, sachant que c'est 2 caractères minimum, ça ne marche pas tant qu'il n'y a pas le carré ici qui me dit que je peux le créer. Donc comme si je vais mettre tac 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 tac. Voilà, au pif, tout simplement au pif. Et on va prendre le tien comme nom, le titre de la série, enfin de l'aventure suivie. Donc l'aventure, car oui, cette série en fait serait une aventure suivie sur ce jeu. Donc l'aventure d'un monde de cubes, tout simplement. Et en attendant ce chargement qui est extrêmement long d'ailleurs. D'ailleurs, c'est dans Cube World, le temps de chargement pour créer la map est... est long, tellement long qu'en fait, je ne peux pas voir qui que ce soit. Ça, c'est un inconvénient, je ne pourrais le voir qu'une fois tout chargé. Donc ce que je vais faire, c'est une ellipse. Ouais, t'arrêtes à me tuer. Je suis en plein écran de chargement. Bon, je vais faire une ellipse pendant que ce temps... Oh non. Pendant que ce temps de chargement est passé. J'ai été mort pendant le temps de chargement et je suis revécu ici. Allez savoir pourquoi. Et j'aimerais bien savoir qui c'est qui m'a tué. Bon, c'est pas grave. Une homme grenouille. Ça, alors là, c'est un aviar. Pour commencer, qu'est-ce que Cube World? Alors, comme vous pouvez le voir, Cube World, c'est un monde donc fait de cubes, bien entendu. Donc, on pourrait penser que c'est un Minecraft-like, donc du coup, construction et tout ça. Et ben non, pas du tout. C'est en fait un RPG. Il y a un peu de craft. J'ai dit un peu, il n'y en a pas énormément. Et ben non, en fait c'est un RPG avec beaucoup de skills. Comme but être le plus haut niveau possible, sachant que le monde est généré aléatoirement. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est commencer par aller pour ce premier épisode, dans ce premier village, pour voir ce qu'il y a ici et tout ce qu'on peut voir. Alors bien entendu, je précise aussi que je n'ai pas testé non plus ce jeu à fond, parce que dès que je l'ai eu, j'ai attendu un long moment pour l'avoir. Un très long moment, à cause d'un stupide bug de TDOS. Donc, pour avoir ce jeu, ça a commencé par ça.
Et je peux vous dire, c'était extrêmement chiant. Bon, enfin bref. Donc, pour ceci, d'ailleurs, je vais récolter des trucs. Donc, pour commencer. Un petit tour de l'inventaire. Tiens, pourquoi pas. Donc, l'inventaire dans ce jeu ressemble à ceci. Donc, vous avez un côté pour les équipements, un autre côté pour les items. D'ailleurs, j'ai 5 potions. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, mais attends, c'est fait automatiquement, non? Ouais, c'est mis automatiquement. Donc, ici, les items, par exemple, ici, je peux boire 5 potions de soins au max, qui me serviront pour plus tard. Les ingrédients pour créer des potions ou autres objets. Et les animaux, qui nous permettent donc d'adopter des animaux ou d'en avoir. On verra par la suite en découverte, car moi-même, je n'ai pas encore adopté d'animaux. On verra par la suite. Comment on fait? Et donc, on va tout de suite commencer. Donc la map générée aléatoirement, mais par contre le plateau. Alors vous voyez, la map est générée aléatoirement. On peut penser qu'il y a des limites, mais non. En fait, c'est pas des limites. Ce que vous voyez autour, c'est juste la région. Et oui, chaque zone est répartie en régions, eux aussi générées aléatoirement. Et donc je vais donc dans cette direction là. Alors au lieu de faire tout le temps ouvrir la map, voir si c'est dans quelle direction et donc savoir si c'est par là que je dois continuer ou non. L'astuce que j'avais trouvée, c'est d'ouvrir la map et d'avancer pendant toute la map. Ce qui permet donc de savoir dans quelle direction qu'on va. Et donc après, comme ça, on n'est pas obligé de rebourser chemin, enfin je veux dire rebourser, voilà, de s'arrêter en plein chemin pour pouvoir trouver un objectif. Tiens, il y a un pan. Alors, les mobs, vous avez vu, il y en a qui m'ont pas attaqué, d'autres m'ont attaqué. Par exemple, le chat que j'avais attaqué. J'avais attaqué un chat? Non, j'avais pas attaqué le chat. J'avais attaqué peut-être un œuf. Avait une barre verte. Donc, les barres vertes, ce sont les mobs inoffensifs. Tant qu'on ne les touche pas, mais méchants, tant qu'on les touche. Sachant qu'il y a 3 types de mobs. Il y a les mobs tout gentils, donc où on peut interagir avec eux, on peut pas les attaquer. Mais on peut pas aussi les adopter. Car oui, comme par exemple ce mob là, on peut l'adopter. Bon, par contre, tout ce qui est les races que je vous ai montré ou autres, on peut pas les adopter. Et donc... il faut voir en fait la barre, ceci est donc la barre de vie en fait du mob. Et donc ce qui est vert sont ceux qu'on peut adopter, qui sont inoffensifs tant qu'on les attaque pas. En rouge sont ceux qui nous attaquent dès qu'ils nous voient. Et en bleu sont donc les PNJ. Et tiens, pour me faire un XP, je vais attaquer ce pan. Je fais pas beaucoup de dégâts, hein. Voilà. Et il a droppé un... What? Je peux savoir ce que fout un pan avec un haut d'armure d'ailleurs, je vais voir. Ce qu'il a comme spécification... Ah, pour les mages. Ça m'intéresse pas pour les mages. Donc je possède déjà un inventaire de départ depuis... Dès qu'on commence une partie, on a l'inventaire des départ. Alors j'ai soit des 2 points américains, soit... Enfin, je peux m'équiper de 2 points américains, mais je peux aussi m'équiper d'un seul point américain et de l'autre. Donc qui est une petite tag. Tout simplement, parce que les voleurs, ça porte des tags, tant qu'à faire. Voilà. Tant qu'à faire, je vais prendre des ingrédients, c'est toujours utile. Et je vais prendre ceci qui me donne des ingrédients. Alors ce qui est en gris par contre, ce sont pas des mobs, ce sont juste des plantes qu'on peut attaquer. Tout simplement. Dis-moi que t'es gentil toi. T'es gentil. Ouais. On va pas l'attaquer ici. Vous pensez qu'on devrait l'attaquer? Pour un XP, c'est pas énorme. C'est pas des masses. Quoique je devrais peut-être l'attaquer. On verra après. On te retrouvera la petite abeille. Donc Oh! Ah oh!
des gnolls, donc des nains, j'imagine. Non, des gnolls. C'est des méchants. Donc, que je parlais avant de perso en rouge. Oh putain, il me repère. Donc voilà, les persos en rouge qui, dès que nous le voient, nous attaquent. On va commencer par le mage parce qu'il fait beaucoup de dégâts. Et voilà, je suis mort dans d'atroces souffrances comme un con. Bah, je vais ressusciter sur le toit d'une maison de Duraka City. Donc Duraka City qui est donc la ville qui a été générée aléatoirement. Donc dans cette ville, on peut... Laisse-moi deviner. Ils sont dans le coin, n'est-ce pas? Dites-moi qu'ils sont dans le coin. Ah, God. Ils sont pas rentrés à l'intérieur, si. Je crois que je touche au but. Oui. Et je ne vois personne. Ah, si. Je vois un gobelin à terre. Un gobelin femelle. Et je vais tenter d'attaquer. Alors, par contre, potion. Potion. Ah. C'est toujours chiant les combats en maison parce que on y voit quasi que dalle. Bon, bien sûr, bien entendu, je peux zoomer et dézoomer pour pouvoir optimiser, mais dès que le combat a commencé, c'est quasi pas possible. Donc, j'ai reçu 16 pièces d'argent, c'est déjà pas mal. Et l'autre, il a par contre rien donné. Il n'y a rien de spécial. Effectivement, il n'y avait rien de spécial si c'était que de l'argent. De l'argent que je peux voir, donc la somme d'argent juste ici. Tac. Donc je vais sortir de cette maison maintenant que je me suis attaqué à des gobelins. Et je vais donc visiter la maison pour voir ce qu'il y a en gros dans cette maison. Enfin, dans ce village. Ah, je perds mes mots. Donc je voulais dire, on va visiter le village pour voir ce qu'il y a dans ce village, à commencer par celui-ci, qui est en fait une taverne qui nous permet en fait de faire passer le jour. Alors vous avez le temps in-game, c'est le temps in-game en haut à droite, ce n'est pas l'heure à laquelle je filme. Et ben c'est l'heure à laquelle il fait dans le jeu. Il est par exemple 10h45. Et pour si jamais il fait trop nuit, et ben et qu'on n'y voit rien, donc on parle justement au barman. Une musique s'ouvre, une musique totalement épique. Et regardez le temps, on est passé de 10h40 à 7h du mat. Et savoir. D'ailleurs, il avait dit quoi lui? Allez, on va passer un deuxième jour. Ok, ça a bugué. Son texte a bugué. Ah non, my favorite sport is ginger. Non, mon sport favori est... Je n'ai pas lu ce qu'il y avait en bleu. Enfin bref. Alors on peut aussi passer le temps autrement, tout simplement en dormant dans les lits. On peut d'ailleurs dormir dans les lits des gens. Et ça, un atout en fait de dormir dans les lits, c'est que ça peut régénérer la vie. Voilà, tout simplement, ça peut régénérer la vie. Et donc dans un village, on peut trouver plusieurs autres choses. Ou pas, cela dépend de la génération de la map. Oula. What? Je plains le gars qui vit là-dedans. Je me demande d'ailleurs comment il fait. Je pense qu'il doit grimper. Alors pour grimper, c'est la touche CTRL. Oui, dans ce jeu, on peut grimper les murs. Ce qui est bien pratique à certains endroits, comme par exemple cette maison. Je ne sais pas comment le type a fait pour vivre dans cette maison. Il faut être complètement taré. Donc il y a des humains, des PNJ intérieurs, extérieurs j'imagine, et une caverne qui mène à rien, c'est juste une grotte générée comme ça. Ben on va voir le centre-ville, qu'est-ce qu'il y a? Alors on a le district de l'entraînement qui nous permet donc
suivant, il faut trouver d'ailleurs la bonne personne, de pouvoir customiser ses skills. Par exemple, si jamais je mets un skill tout bêtement ici par pure erreur, alors que je voulais le mettre ici, il suffit tout simplement que je parle à un entraîneur, et donc que je mets mon skill, enfin que j'enlève le point de skill à un côté pour le mettre à un autre. Voilà, c'est comme ça que ça marche, les histoires des skills. On peut s'entraîner aussi sur les épouvantails qui sont là et qui servent absolument à rien si c'est que s'entraîner, parce que ils perdent aucune vie en fait, les épouvantails. On a aussi dans un village donc la place du marché. La place du marché, d'ailleurs on peut attaquer ces trucs. Ouais, on peut attaquer ces trucs. Ouais. Donc la place du marché qui permet donc de vendre et d'acheter des trucs. D'ailleurs j'avais pas eu un truc. Ah oui, pour le... toujours pour les mages. Il n'y a que les mages en fait ici. Donc qui nous permet de vendre et d'acheter des trucs. Donc du loot, comme le diraient les fans de RPG. Et suivant ce loot, j'avais vu avant Sitao. Je peux pas m'assurer. What? J'ai découvert un bug du jeu dès qu'on peut traverser les murs en s'asseyant dans la maison, dans les maisons des, dans les fauteuils des maisons des gens. What the fuck? Enfin bref, je ne veux pas plus en savoir. Oh, elle est pas mal cette maison. Tout à fait mon style. Avec un petit pont comme ça qui traverse la route. J'imagine qu'on peut aller dans ce pont, n'est-ce pas? Bonjour. On peut ou on peut pas? J'ai pas l'impression. Ah si si si, j'ai vu. Ah! On y voit rien, on y voit rien. Enfin, j'y vois rien. Vous y voyez peut-être quelque chose, c'est peut-être que mon écran est mal incliné. Ouais. Vive la génération de map! Qui est vachement bien fait. Tellement bien fait que les villageois se retrouvent à tomber. Enfin bref. C'est le Jenga. Mon sport favori est le hand bleeding. Je ne sais pas ce que c'est le hand bleeding. Allez savoir. Et donc dans un village on peut aussi trouver autre chose. J'espère que je vais trouver. Cette place, c'est donc le place du crafting qui permet en fait d'améliorer. Oh, cette personne a une quête. Avis ou allons-y, explore Arogar Castle. J'aime pas ça. Look, I've maker, c'est localisation. Are you map? C'est là. Ça m'a l'air d'être là. Là, d'accord, ok, Anugar Castle. Bon, merci, hein. T'as qu'à faire, peut-être pour la minimap, agrandir un peu plus. Ce serait peut-être bien. Voilà, tout simplement. Et donc, normalement, si j'ai bien vu sur la map, bah, je suis à la Crafting District. Voilà, je suis donc à la rue du crafting. Et c'est dans cette rue de crafting qu'on va pouvoir crafter des choses. On peut aussi crafter dans des camps, mais pas énormément de choses. Car dans le quartier de crafting, on peut utiliser les outils pour crafter. Un peu comme dans Skyrim, pour crafter des trucs. Par exemple, je peux crafter avec un toit à tisser. Ah non, ouais. Il faut regarder en fait en bas. En bas, il y a un truc rouge qui nous dit que ça, tu peux pas crafter. Ça non plus, parce que je n'ai pas trouvé de coton. Oui, sinon rien d'autre, voilà. Tout simplement. Par exemple, ici, je suis sur un atelier à tisser, mais j'imagine qu'il y a d'autres trucs de crafting pas loin. On va peut-être explorer pour voir. Là, c'est le trad discrétique, je m'égare un peu. Non? Si? Peut-être? Crafting District? Je crois que c'est les seuls trucs qu'il y a dans cette ville. Ah, quoique. Il y a un forgeron là-bas! Allons parler au forgeron. En même temps, je ramasse des citrouilles, tant qu'à faire.
ça peut servir de nourriture. Bon, alors, chez le forgeron, ce qui est pas mal, c'est qu'il a un outil qui permet en fait de customiser. Donc, pour ça, il faut avoir des blocs de quelque chose pour pouvoir customiser pixel par pixel. Enfin, ce que je dis pixel par pixel, parce que en fait, c'est des voxels, donc des mini-cubes. Mini-cube par mini-cube, on peut personnaliser l'apparence de ses armes. Tout simplement. Bien entendu, cela coûte un peu d'argent. Donc, maintenant que je vous ai présenté ce qu'on peut trouver en ville, ce qu'on peut y faire, et un peu de ce que moi je connais, car je ne connais pas encore tout de ce jeu, on va explorer un peu en dehors de la ville. Bah tiens, avant, on va parler de Angora Castle. Est-ce que ce serait pas mal d'y aller, peut-être? Arugar Castle. C'est par là. On va y aller. On va y aller. D'ailleurs, j'ai pas visité cette tour encore. Faudrait peut-être que je visite Durakar City. J'avais pas vu cette maison aussi. Non, je n'ai pas vu cette maison qui est en fait le bûcheron qui nous permet donc de crafter d'autres trucs. Par exemple, si j'utilise la scie, je crois avoir récolté du bois. Non, je me trompe. Ah, non, j'ai pas récolté de bois, c'est dommage. Parce qu'avec du bois, on peut utiliser ceci. Enfin, on peut crafter des cubes de bois qui nous permettent de crafter... enfin, qui nous permettent par la suite dans la personnalisation. Et déjà deux personnes qui ont d'autres quêtes. Oh mon dieu, c'est magnifique. Enfin, d'autres quêtes. Icola Mountain. Non. Blue Cave Maker, c'est l'organisation on you mat. Ok. Et toi? Est-ce que tu as déjà demandé Narla Castle? Non. Blue Cave Maker, c'est l'organisation on you mat. Merci. Donc, eh ben, ils sont tous près de mon spawn. Faut donc le faire. Allez, on va aller à Icola Mountain. On va aller à Icola Mountain et on va y aller en roulant. Car oui, on peut rouler, il suffit d'appuyer en fait sur le clic de la molette pour pouvoir faire des tourbilols. Ce que moi je dis des tourbilols. Et donc, on va tout de suite aller vers un des châteaux qu'on nous a mis dans la map. Tout simplement. Et après qu'on ait vu ce château... Oh, un ornithorynx. Ami ou l'ennemi? Rien à foutre! On le tue quand même! Voilà, ça nous fait un d'XP seulement, mais c'est toujours ça de prix, ça nous évite. Bonjour! Oh, shit. Oh putain! Ça freeze! Ça freeze un peu! On va l'attaquer cet humain! On va l'attaquer! Les humains, ceux qui sont en rouge donnent plus d'XP que... Je vais peut-être voir. Et voilà. Donc, j'ai récolté bon, une arme, tant qu'à faire, et des pièces. Oh bon, tant qu'à faire, ça vous dit pas de le vendre chez un marchand d'armes? Non, peut-être plus tard. Juste, voilà le coton. Avant, je voulais du coton pour tisser, mais voilà, pourquoi pas, hein. On va pouvoir tisser des trucs avec. Et là, il y a des tops. J'imagine que ils sont gentils. Bon, tant qu'à faire, on va les laisser. On va les laisser tranquilles. C'est top. Quoique... C'est peut-être dangereux de les attaquer. Mais on va quand même le faire. Allez, c'est parti. Voilà. Toi aussi, je veux de l'XP. De l'XP. C'est pas le camp fini tout d'un. On peut se faire du fric. Allez, bois. Il me reste plus qu'une potion. Je vais peut-être le garder pour le château.
Voilà. Et voilà. Bon. Et la potion, je la garde pour le château. On sait jamais, peut-être qu'il y a des mobs dans ce château. Bon, d'ailleurs, c'est le but des châteaux, c'est d'attaquer des mobs. Donc voilà. Il y a du coton juste pas loin. Et un mage. J'aime pas le look de ce mage. Ami ou ennemi? On va l'écarter. On va l'écarter parce que c'est quand même les plus dangereux dans ce jeu. Et il faut peut-être que je me crafte de la nourriture pour pouvoir par la suite avoir de la vie. Hein. Tant qu'à faire, donc il faut que je trouve pour cela un feu de camp. Un cochon, tant qu'à faire. Et, ah! Mode freeze. Voilà. Tout simplement. Et là, des lapins, ils sont gentils, donc tout va bien. Et là, il y a une toile d'araignée que je vais prendre justement. Toile d'araignée que je vais prendre et oh god, mon dieu, ce monde est immense. Ce monde est vachement immense. Bah d'ailleurs, je suis à combien de mètres? Oh, je suis pas loin, je suis pas loin. D'ailleurs, je vais prendre ma dernière potion. Je sais que c'est un gâchis, mais mieux vaut prévenir que guérir. D'ailleurs, il y a une très grande route qui mène peut-être au château, tant qu'à faire. On va la prendre. On va la prendre, la route de terre. Hop. Il est vraiment bien fichu, ce jeu, quand même. Il est à peine en alpha, il est vraiment bien fichu. Par contre, la route s'arrête là. Je suis pas loin d'être là. Icola. Ah non, Icola Mountain. Purée, j'ai pas compris depuis le début, mais en fait, Icola Mountain, c'est les montagnes d'Icola. Ami ou ennemi? Oh, c'était des amis. Bon, super. Et donc, j'ai. Et voilà, Icola Mountain. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a dans cette montagne? Donc, comme vous voyez, on est passé à un nouveau biome, le biome neige. Enfin, le biome montagne. Oh mon dieu! Ah! Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, ça commence à friser un petit peu. Celui-ci peut attaquer à distance. Oh merde. Merci de mourir pour mon XP. Et ben voilà, bon ben. Voilà, 2 XP. C'est toujours ça de fruit. Et un peu de frise, c'est toujours ça de chien. Un peu de frise. Bon ben, maintenant qu'on a découvert qu'il y avait des montagnes ici, je vais peut-être m'arrêter ici pour ce premier épisode des aventures d'un monde de cubes. Donc je vous dis donc à bientôt. Quelque chose veut m'attaquer. Quelque chose veut m'attaquer et je vais donc fuir ces montagnes. Pendant que je vous dis que pour l'instant, on va s'arrêter ce premier épisode des aventures d'un monde de cubes. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Bande de PGM. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si elle vous plaît, à la partager avec vos amis. Oh, il y a mes amis qui vont même m'aider, tiens, tant qu'à faire. Profitons-en. Profitons-en, tiens. Donc... Ok, bah, merci. J'adore ton nom. Oh, bah super, merci. J'adore la nature. À
Ok, bon bah je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas donc à liker, à la commenter et à vous abonner à la chaîne.